Bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, j'aimerais présenter des excuses à Electronic Arts. En effet, je l'ai porté responsable de tous mes maux sur Internet. Je n'avais certes pas prévu que certaines personnes mal intentionnées sur une inculpation à charge, avec probablement de fausses preuves et de faux témoignages, puissent me tomber dessus comme des corbeaux sur Internet, dire partout que j'étais un alcoolique chronique, et dire partout que, comment dire, que j'étais un drogué, dire partout que j'étais un pédophile en fuite ou un pédophile, dire partout. Enfin, vous m'avez compris. Et je dois aussi représenter des excuses à Electronic Arts parce que j'ai cru qu'il était co-responsable des Bob. Des faux Bob Morris. Je ne me suis pas rendu compte, et j'ai toujours du mal à le croire, qu'au sein de ma propre famille, un coup de pute pareil puisse avoir lieu. Voilà, vous savez tout. Ça, c'est un de mes livres. Je viens de l'acheter à l'armitière. Je vais vous lire l'arrière du livre pour que vous puissiez vous faire une opinion. Médecine légale, identité judiciaire, entomologie, toxicologie, anthropologie, judiciaire, profilage, forensique, numérique, les sciences criminelles n'ont cessé de se développer et de se perfectionner depuis 2 ans. Pour la première fois, la célèbre romancière Val McDermid, désolé si j'ai déformé le nom, nous fait découvrir, chapitre après chapitre, les grandes affaires criminelles qui ont été résolues grâce aux experts d'hier et d'aujourd'hui. Elle nous raconte avec brio comment, grâce à la science, les enquêteurs arrivent à retrouver sur une scène de crime des traces qui peuvent devenir des indices et parfois une preuve. Un livre d'histoire aussi passionnant qu'effrayant qu'un polar. C'est vrai? C'est vrai? Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, encore un livre de plus qui va nous parler de sciences criminelles et patati et patata, sans les énumérer les faits, et qui, où, quand et comment, et puis, comment dire? Voilà une des victimes. C'est passionnant. Je le recommande. Alors, vous le trouverez à l'armitière pour 22 euros. Voilà, vous savez tout. Je lui mets la note de 20 sur 20. Bon, je ne vais pas papoter les points de vue de mes lectures pendant 107 ans. Bah si, je vais papoter pendant, je vais faire un point de temps en temps. Ça puis il reste aussi. La presse que je peux lire, Paris Normandie, Canard enchaîné, Le Figaro, parce que ça foutait là ça, et Libération.
Donc voilà. Electronic Arts, toutes mes excuses, mais je pouvais pas savoir. Voilà, tout est dit. Je ferai un tutoriel sur les, comment dire, sur les journaux que je lis. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce court tutoriel. Au revoir, messieurs, dames. Ah oui, quant au fait de porter plainte, je me réserve ce droit éventuel. Mais dans le futur. Au revoir. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons, bien sûr.